vraiment que c'est un thème très noble, intéressant. Et que cette année, on a des communicateurs qui soient plus convaincants et plus qui apportent de nouvelles idées qui vont nous permettre à nos jeunes de pouvoir nous propulser. On côtoie des personnes extraordinaires, des gens qui sont pleins d'énergie, des gens qui sont toujours enthousiastes, des gens qui ont envie de bâtir un monde meilleur. On les côtoie tous les jours et on s'est dit que c'était notre responsabilité de vous faire partager cette chance. Et en fait, c'est à ça que ça sert Propulse. FASOPRO, c'est une entreprise qui se donne pour mission de valoriser le potentiel nutritionnel des insectes comestibles. C'est ça notre vision et c'est ça le cœur de notre engagement pour les générations futures. Je pense qu'on peut, le mot pouvoir, si on peut l'écrire, on va ensemble dire P-O-U-V-O-I-R, pouvoir. Si on veut, on peut aujourd'hui, on peut changer cela. J'ai dit aux gens, lorsque vous voulez tester votre rêve, donc vous faites peur à vous-même. Si vous avez un rêve qui ne vous fait pas peur, je vous en prie, dormez. Rêvez encore. Et si vous n'êtes pas encore, dormez jusqu'à ce que le rêve vous fasse vous-même peur. Et si votre rêve vous fait peur, ça veut dire que c'est un rêve qui va au-delà de vous et qui peut amener d'autres personnes. Au Burkina, 17% des ménages nous disent que les maladies graves sont leur problème principal dans l'année. Et 40% des ménages nous disent que la sécheresse ou les pluies irrégulières sont leur problème principal dans l'année. Donc on parle d'un problème qui affecte annuellement 60% de la population qui sont dans la situation de maladie. À l'échelle d'un pays, ça s'appelle le sous-développement. À l'échelle d'un continent, ça pourrait s'appeler l'Afrique. Et donc, ceci m'amène à faire évoluer ma conviction première. Donc oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais surtout à ceux qui ont aussi un filet de sécurité. Cette initiative Propulse est une initiative extraordinaire. Et je rêve qu'il y ait comme ça plus d'initiatives sur cette terre d'Afrique. L'Afrique, ensemble, écrivons l'histoire. Vous savez que la question du développement durable, c'est une question centrale au niveau du système des Nations Unies, donc au niveau du PNUD. Et le PROFEGEC est un projet aussi qui veut promouvoir certaines valeurs chez les jeunes entrepreneurs et les femmes également entrepreneurs. Et ce sont ces genres de comportements, de valeurs, d'attitudes que nous voulons promouvoir au sein des start-up qui vont sortir justement de notre projet. Le rêve de la fabrique pour les générations futures, c'est que demain, on ait construit un Burkina et une Afrique qui ne repose pas uniquement sur la recherche de profit, mais qui repose sur des valeurs fortes et des valeurs d'intégrité, de morale, qui font en sorte qu'aujourd'hui, quand on construit demain, on le construit ensemble. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on apporte les outils nécessaires aux entrepreneurs qui décident de faire ça. Propulse, inspirez-vous.